dialogue.com. Fatigué, patati patati, pour tout, c'était même pas ça. Il y avait un hôtel à Marriott qui était à la moitié de distance de là où moi j'étais et aussi à la moitié de distance de là où moi j'étais. Je lui ai dit, bon, comme on ne pourra pas se voir ici, Shaddai aussi aimera te voir. Et c'est aussi temps que tu vois quand même Zion. Zion est né en février, tout ça en juin, au moins il y en a un été. On voit quand même comment on est. Alors, oui, il commence à faire la tête comme quoi, non. Donc, tu as un hôtel, tu es comme si quoi, tu n'as besoin d'aller ou quoi. Elle dit, non, à l'hôtel. Je vais appeler papa bienvenue, ton oncle, pour lui dire que tout coûte un akuna. Mais c'est bon. Mais quand vous pouvez gagner, mais que aussi m'aider. Donc, quand il téléphone, il y a mon oncle qui m'a appelé, papa bienvenue, parce qu'il venait de parler avec Mike. Il m'a dit quoi? Parce que retenez que Mike avait refusé que tout coûte un akuna Marriott. Voilà. Et il a dit qu'on va se voir chez ton oncle. Je dis ok, mais quand vous pouvez gagner, il n'y a pas que famille, yo, 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 que j'ai vécu avec toi, bah on va y aller bien haut. Mais ben là, bah on va la carrière jusqu'à présent, bah beaucoup le naïo. Ben là, bah on. Il a appelé mon oncle et mon oncle a dit non. Il a été catégorique. Il a dit non. Et puis après, quand mon oncle a fini de parler avec Mike, il m'a appelé. Il a dit non, Mike m'a appelé parce que mon oncle ne pensait pas qu'il y en a Mike de cette solo là. Il m'a appelé pour me donner le rapport. Que non, regarde, Mike m'a appelé pour la bouée pour me demander s'il pouvait venir voir les enfants ici à la maison. J'ai dit non parce que c'est un manquement de respect à ton père. Voilà. Parce que toi, quand tu es venu au Botanada comme parent, ce sont tes parents qui t'ont pris en charge. Ce sont tes parents qui ont pris les enfants en charge et tout. Donc tu ne peux pas prendre pas na binoana en même temps encore un goulou chez moi et que Mike voit les enfants chez moi pendant que je pars vraiment offrir un coup de main. C'est tes parents qui l'ont fait. Je lui ai dit ok. Dengan a expliqué que moi j'avais d'ailleurs proposé à Mike que tout coûte à la Marriott, mais à Boyaki. Et c'est comme ça que mon oncle a dit pas question. Il m'a donné un conseil, il a dit pas question. Ces enfants-là, ce sont des enfants qui n'ont pas été conçus dans la rue. Toi, on t'a pas ramassé de la rue pour Baba Layo, Baba Lolanda. Baba Lola, ils ont été conçus dans Nda Kwalibala. Et puis Bisika Baza, chez tes parents, c'est là où Mike devra atterrir pour voir les enfants. J'ai dit ok, Nassilisi Kosolola, avec mon nom, j'ai appelé ma mère. Je relatais l'affaire à ma mère. Ma mère a appuyé ce que mon oncle a dit. Elle a dit oui, il faut qu'il fasse les mavoués. Il doit appeler ton père, il doit dire à ton père qu'il est là. Et puis il doit venir à la maison pour voir les enfants. Et non seulement pour voir les enfants, pour prendre son enveloppe. Ok? Li ba la paix, et li ba la moko o ba parents nan ba bomati. J'aimerais que Toyokatotika ait un peu la rumeur qu'on laisse un peu mes parents en dehors de mes propres décisions. Ouais. Parce que là, c'est pas intéressant. Non, non, non. C'est pas intéressant du tout parce que les gens sont là en train de raconter des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Non, mais même sur mon Instagram là, je mettais rien de grave. Hein. Je n'exposais rien. Tout ce que je dis ici, tout ce qui choque les gens. Qui Nazoloba a besoin de choses que je n'ai jamais mentionnées sur ma chaîne, sur ma page Instagram. Il y a toujours des gens qui me demandaient vous êtes ensemble? Non, on n'est plus ensemble. Est-ce que l'infidélité va les acquis à solo? Oui, ils acquis à solo. À part ça, Naloba ni Nisus. Dites-moi, Naloba ni Nisus. Il accepte toi à propos, il y a alors, Mike a PC cher. Yoka, quand Mike est venu maintenant et que ma mère a dit que non, Mike devra venir à la maison pour la commune à Bana et tout ça, j'ai appelé Mike. Il dit à Mike, et Kosimbate, je ne sais pas, bienvenue à Bibi, je parlais avec lui, Mike, et Kosimbate, oh, tout coûte encore quand la Marriott. Marriott est quoi? Tout le monde a un pays sur la Marriott. Si tu veux voir les enfants, tu viens le voir à la maison. Et c'est comme ça que Mike a dit, ok, passe-moi le numéro de ton père. Je lui ai envoyé le numéro de mon papa. Ça coïncidait que c'est dimanche-là, je me rappelle, c'était un dimanche. Il a appelé mon papa pour dire que non, papa, je suis à Dallas, j'aimerais passer, j'aimerais voir mes enfants. Et puis la conversation, il s'est enregistrée, hein. Pour papa, lui, soit Timba. Parce que y a trop de choses. Le non, les ondes, Baloba qui va salaki. Mon père a cette conversation enregistrée sur son téléphone. Mike a béni, papa, bisou. Oh non, j'ai un programme très chargé. Je dois voyager demain lundi et tout. Je passe en quelques minutes pour voir mes enfants. Mon père a dit, attends. Donc toi, tu penses que Nenge bisou, Toza, Awa, Toza, la Raka, appelle, il y a Mike à l'amba et que non, je viens et tout ça. Et tout ce que nous sommes en train de faire doit tomber. Parce que yo yé et tu dois avoir des enfants. Il faut quand même avoir un moindre respect pour les gens. Tu n'as pas demandé mon programme. Tu n'as pas demandé ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et ça coïncidait aussi que mon Koloana, c'est le jour que ma tante, venant de la Belgique, était venue à la maison pour voir mon père. Et ils étaient en plein préparatif pour sortir.
parce que c'était le dernier jour aussi de ma tante à Dallas. Mon père a dit aujourd'hui ça ne sera pas possible. Vol à Kinshasa, États-Unis, direct. Attends, on a stoppé là 18h. Avant de quitter, tu pouvais dire que je venais. À 18h, on pouvait disposer tant la vie. Surtout, il y a eu tout que Mike sera aux États-Unis la période telle. Il voudra voir les enfants. C'est pas tu atterris seulement à Kinshasa. Et tout ce que les gens sont en train de faire doit être annulé parce que yo, faut mon abat en ayo. Faut quand même respecter les gens. Faut quand même respecter ma programme Navarro. Parce que Zaka Kate, Oyananda Kouvandi, ou Mimi Shadai. Quand il va foutre dans Shadai, quand il va foutre dans Zion, au limo, ok. Non, ta famille, il y a du bal et dans la carte. Et du bal en OP. Et Koufi, par ma propre décision, moi, Peignel, j'avais déjà dit à mes parents que c'est lui. Alors mes parents ont dit bon, tu vas entamer le processus civil et tout au niveau de l'État, il y a Texas, religieux, tout ça, médical, tout ça, mais coutumièrement aussi. Un symbole doit être rendu à Mike et à sa famille. Alors mon père voulait utiliser cette occasion au Macabandaï Kouyamananda pour mon abananaé pour n'accoper sa épée enveloppe, s'il vous plaît. Ce qui a circulé partout sur internet, c'était quoi que Mike Baboya Monabana, Mike Baboya Monabana, parce que Mike Baboya Monabana, parce que c'est rien que 70 000 $. Mike a beau écouper ses 70 000 $. Non, 70 000 les uns et les bas la maman. Pour nous, c'est absolu. 70 000 $ et franchement, vous allez m'excuser. Naïbi, tellement que ces conneries sont tellement à côté de la vérité. 70 000 $ bah, tu n'y en sont à Dallas. Je ne savais pas que tu pouvais avoir 70 000 $ à jeter pour un mariage pendant que ta mère est encore locataire à Kinshasa. Maman Monique, la maman de Mike n'a même pas une parcelle. C'est à Zovanda. Elle loue. Jusqu'à présent, elle loue. Une parcelle, mais tu as 70 000 $. 70 000 $ à jeter. Et ça, il y a un thème de l'obaki. Dans l'obaki, on va plus. Dans famille à Mike, qui est aussi vite que la maman. Dans la famille à Mike Mignon. Parce que. Moutouni, la famille à Mike, Yvette, qui n'est même pas de sa famille. Ok. Ok. Donc, close. Alors. Qui ça? Alors. Quand mon père a dit non, tu devras me donner un programme, tu devras venir tout vendi et tout au sourire yozu yozu bano yo shadai na zayon. Mon père l'a dit clairement, ce sont tes enfants. Voilà. Na na place mon rôle na zone du loba mon rôle sur la vie de ses enfants. Voilà. Ce sont tes enfants et les enfants des Peignel, mais de la même manière dont shadai na zayon baza banana yo Peignel père mon nananga na na du loba sur la vie de ma fille, et ma fille ne sera pas éternellement liée à un homme. Nalibala Moko Oye Simbite. Si elle a dit qu'elle ne veut pas, il y a raison de mon aïe tata. Alors, Mike a filiki, parce que mon père n'a pas voulu le voir ce jour-là. Il a levé le temps sur mon père. S'il vous plaît, il a levé le temps sur mon père. Il a dit quoi? C'est de la mauvaise foi à bandit que l'obaloubaloubana. Il a manqué à mon père du respect. Mon père, c'est un monsieur de beaucoup de maîtrise. À l'oba rien. À l'oba, il doit être kataka téléphone. Et c'est comme ça que quand Mike est venu en juin pour voir les enfants à Monabanaté, je reviens dans ma cambouille à YouTube. Il y a YouTube, il y a des émissions qui sont faites sur YouTube. Dans l'émission, il y a Mike na Papi Mboma. Ouais, ça va qui. Dans l'émission, on a Mike. Émission, on a installé Mike après que Mike ne soit descendu aux États-Unis pour na Kouya Koumounabana, Koussena Koumounabana, Nenge Ayakiwana. Cette émission-là est sur YouTube. Émission, on a installé Maka après. Va poser ma question. Tu prends soin de tes enfants? Oh oui, je prends soin de mes enfants. Va poser, ok, tu prends soin de tes enfants. Pourquoi ça s'est fait que tant au Kitine, États-Unis, au Mouni Bangote? Mike a dit quoi dans l'émission? Bino Mokobo qui ne peut pas d'abord vérifier. Mike a dit quoi dans l'émission? Na Komaki Eta Bango Bazara Kite. Na Komaki Place Bango Bazara Kite. Papi Mboma l'a posé aussi une question. Tu penses que la mère de tes enfants pourrait arriver jusqu'au point de refuser comme on a pas? Mike lui-même a répondu de sa propre bouche. Et je ne pense pas que Peignel peut arriver jusqu'à. Je ne pense pas qu'Atara qui commande à moi. Avec quelque chose du sens qu'il y a. Ce qui. Je ne pense pas que Peignel a beaucoup matin à niveau. Voilà. Lui-même de sa propre bouche. On doit boire ma gamme la banane à Zaté. C'est quoi? Mon temps, il y a Pessa qui banne pour au colo, Aza est responsable. Et pour temps, il y a Pessi Chadaï Mbom. Donc, soit Pessi Chadaï Mbom, les années de Pessi Mbom pour prendre soin à Mbom. Mike, quand il est venu, vous allez m'excuser pour la date, je crois que c'était. Si pas en octobre,
il faut natala bien au bout que tu as les réseaux sociaux bon on a exactement date à publier qui photo là date à qui et à qui après j'avais avait déjà repris à l'école ainsi à Banta qui na classe na na deuxième maternelle quand il est venu à Monibana il a remis à Chada $40 ah $40 ce qui n'a pas aussi qu'il vienne et qu'il montre même un transfert et à Western ou bien à l'oba mbon on y a pesana ou bien à l'oba mbon on y a youtube n'a la lia et à l'aura so coco oh maman il a remis à Chada $40 $40 et puis il savait très bien qu'il ne pouvait pas me remettre ce montant là dans ma boko nanga pour n'éviter le goût de il a remis cet argent là dans ma boko et à Chada. Il a remis cet argent dans ma boko à Chada et puis il dit quoi à Chada? Il dit quoi à Chada? Papa, quand quelqu'un te donne l'argent, il faut aller montrer sa maman. Il faut donner sa maman. Les enfants bien éduqués, quand quelqu'un leur donne de l'argent, ils amènent tout de suite à maman. Ça va être moine. Mamie, papa m'a donné de l'argent. Ah, ça y est, c'est même bon mot. Bam, batata, $40. Quand bébé, bien. C'est ainsi qu'à Chada. Papa, mets dans ta poche, hein. On va acheter le bonbon après l'école. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que bon yoki. Voilà. Tozan a droit à papel et belete. Zalam taliboso benga. Et puis zala bref. Tope si si koyo mitindo. Bo benga biso. Tozan a droit à pour répondre une minute à chacun. Ou poser question. Nous vous posez. Peignan amika. Tozo continue. Ya, tozo continue. Mais tout fumolanan. Parce que là, tozo kende etoyo. Kende 4 heures tofan nagara. Parce que namu peignan lelo. Batouba habito là là. Voilà. Toyambi appelle Yaliboso déjà, bande connaît so bazo benga, ozo poser please. Une minute poser question, mou peña répondre, pardon. Allô, toza en direct. Allô. Oui, allô, bonjour maman. Allô, bonjour, bonjour Trésor, bonjour Peignel. Bonjour. D'abord, je dis d'abord vraiment désolé, désolé à Peignel. Je suis en train de regarder ton histoire avec trop de larmes. Parce que quand je te regarde, je vois Jessica, ma petite sœur, que tu dois connaître de Dallas là-bas, la fille de Dr Longo. Je suis leur grande sœur aînée. Ok. Daniel, normalement, Jessica et tout. Maman, oui, Lydia, Manon, Jessica, ma grande famille. Oui. Voilà. J'ai eu à te connaître par les réseaux sociaux, quand les gens t'insultaient et tout ça, tout ça. Mais je sais que Ndenge Balobaka, Mbakozo Vandate, Okeba Place Maizu Tangate. Voilà. Et souvent, la relation de deux personnes, c'est toujours difficile de s'y mêler et de prendre des décisions. Et aussi, tu ne peux pas donner à quelqu'un un conseil de casser son mariage. Voilà. Mais si j'ouvre ma bouche, c'est d'abord pour le comportement impulsif de ce so-called homme de Dieu. Pour moi, je ne le juge pas, mais il n'est pas un homme de Dieu. Cet homme-là doit être jugé pour avoir abusé de toi, de ta jeunesse et de ton corps. C'est vrai que tu as eu des enfants avec lui. Les enfants resteront dans l'histoire. Mais si aujourd'hui, par lui te taper, tu pouvais aussi retrouver la mort. Et ces enfants-là seraient élevés par où? Enis ou la soi-disant Sarah de Canada? Alors, ta décision, c'est ta décision. Mais si tu vas la pardonner, tu vas le pardonner, c'est parce que tu es un enfant de Dieu. Ouais. Et parce que tu as eu des enfants avec lui. Et son sang se réside dans tes bras à cause de ces enfants-là. Mais ce gars-là, il a droit à passer sur les barreaux. Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de moi, de mon intervention, mais il doit passer sur les barreaux. Parce que si Mike avait une petite sœur ou une grande sœur qui serait maltraitée de la sorte, il n'allait pas laisser faire les histoires. Il allait utiliser son grand nom d'être star avec pour venger sa sœur. Okay. Et alors, et de deux, Mike est en train de devenir, je ne sais pas moi, soi-disant pasteur, mais personne ne sait la vie qu'il est en train de mener dans son propre mariage. Alors, qu'est-ce qu'il nous enseigne?
Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Je ne veux pas être trop rude envers lui parce qu'il y a les enfants qui sont là, qui sont aussi comme nos neveux, nos enfants. Mais moi, je souligne que tu ne dois pas le laisser down. Ce sont les preuves de tes photos que tu ne dois pas enlever, que tu dois laisser parce que c'est un abuser. Il dit abuse you. Il doit être jugé devant les barreaux. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. Et j'espère que vraiment, Bassali Azabe, Bozo, Lagabiso, Potala et Loko, Bino, Bassali Azabe. Et je parie qu'il a d'autres relations en dehors de ça. Et ça, ce n'est pas notre problème. Il doit être jugé. Et nous allons commencer la pétition pour ça dès aujourd'hui. Il va être jugé. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, Bappel et Zoko, t'es tellement belé. Merci allô? Beaucoup pour le conseil, je vous ai entendu, merci. Donc, voilà, tu recevras mon tout mon sousou. Je pense que ma maman déjà va comme au silica. Allô, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais vous poser une question, Seigneur. Ok. Bon, je vais parler en français. Parle en français, s'il vous plaît. Mais je viens de sortir d'une relation abusive aussi il n'y a pas longtemps. Et je voudrais pouvoir te demander comment est-ce que, how do you deal avec le flashback, avec le souvenir quand ça te revient, how do you deal with that? Ok, alors, merci à tes réponses. Ou poser des questions au Cathy, parce qu'elle peut permettre de s'auto-recevoir à nous. Tu peux répondre ça? Oui, je peux répondre. Oui, oui. Comme je dis, ça m'a pris du temps pour faire cette vidéo. Ça m'a pris toute une année pour m'asseoir, pour avoir le courage non seulement d'en parler, mais aussi de partager mes photos. Voilà. Les flashbacks et tout, c'est vrai, PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, c'est vrai. Et je suis très sensible à des gens qui lèvent le ton ou bien qui font des mouvements comme si quoi, venir quoi agresser. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que quand Dieu prend la décision de te guérir, quand tu te remets vraiment, quand tu remets ta vie et tu remets ta situation entre les mains du Seigneur, la guérison et les changements et la transformation, exactement, viendra de cette relation-là avec Dieu. Moi, je me suis accrochée au Seigneur. Ça, c'est et c'est ce qui m'a aidée. Voilà. Merci beaucoup, Peniel. Ça, c'est important. Toujours continuer avec Yamba. Et puis, j'allais quand même te poser une question. Pourquoi tu as accepté quand je t'ai proposé de parler, quand tu m'as dit je suis prête de parler, maman trésor, mais tu n'as pas voulu passer par-ci, par-là, parce qu'il y a beaucoup de médias maintenant. Là, quand j'ai dit ça, il y a des gens qui ont enregistré ma vidéo. Oh yo, oh tozo ça là, oh yo. Il y a vraiment beaucoup de gens au bazar qui ont enregistré ma vidéo. Oh yo, oh bazu, en mope, oh bachang, oh direct. Tu n'as pas voulu, oh les cas, oh les cas, oh les cas. Mais quand au yébisinga, moi j'ai dit d'accord, toko solo là, je t'ai encouragé, n'a pas su au courage, on a habite solo là. Qu'est-ce qui t'a poussé? Tu penses que n'a mérité pour nana, n'a yébisayo en gros, ou bien n'a pas su au courage, ou bien. Et là, on est ça, le bon dit, mais peut-être n'a la yambaye. Premièrement, les gens peut-être Bateau, Baye, Sima, vous ne connaissez peut-être pas la relation de moi et Maman Trésor. Maman Trésor, c'est ma tante, c'est ma famille. Le mari à Maman Trésor, j'entends Jean-Paul, que je salue, que j'aime bien, c'est mon oncle. C'est le frère à ma mère. Donc, je ne me sens pas, parce que tout ça, la paix vidéo, à Ananda, je suis chez mon oncle à la maison. Bien sûr qu'il y a des caméras devant nous et tout ça, tout ça, mais je me sens à l'aise parce que je suis en famille. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est quoi? Le mariage de Maman Trésor à mon oncle, c'est pas son premier mariage. Maman Trésor est passée par un autre mariage. Elle est passée par une situation difficile aussi avec son ex-mari. Et je me suis retrouvée dans son histoire. Je me suis retrouvée en elle. Je me suis sentie en sécurité avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle comprend. Non seulement qu'elle comprend en tant que moi-fille, non seulement qu'elle comprend en tant que maman, elle comprend en tant que quelqu'un qui a vécu ça et qui a pris une décision difficile. Non seulement que Azab, la base, tu sais, son Azab personnage fait public. Elle a eu à vivre Maloba Yabatu, Kofinga Yabatu. Donc elle comprend, elle sait. Donc c'est quelqu'un, oh, on a le bas qui paye, ceux qui n'ont pas d'inaïe, c'est quelqu'un qui pouvait aussi me guider avec des questions, à occuper que c'est qui s'en a, m'aider à me détendre et tout. Et le troisième point, je pense que c'est le plus grand point pour moi. Maman Trésor et mon oncle, leur mariage, pour moi, c'est un exemple du raché, en fait. Maman Trésor est venue d'un mariage très, je peux dire, problématique et très, donc pas bien du tout.
Mais quand je la vois avec mon oncle, parce qu'ils ont déjà duré dans le mariage, donc on ne va pas aller les loter. Oncle n'a rien fait à oncle à l'obilobité. Donc il est mon oncle, vraiment le frère à ma mère. Donc quand je vois leur union, quand je vois comment Dieu peut restaurer la vie d'une femme, comment Dieu peut restaurer le mariage par elle et par son mariage et son foyer avec mon oncle, je me suis dit, il était aussi temps d'en parler, mais je ne savais pas, j'allais commencer par où, je vais le faire avec qui? Bah, journaliste, mais avec Maman Trésor, c'est facile, ça coule comme de l'eau. Voilà. Merci beaucoup, Peniel. Merci parce que fallait quand même qu'éclaircir bateau pour abandonner qui au banc, la question piège, tout et tout, mais c'est ça qui est quand même courage parce que tu as pour la divorcer. Nous sommes là pour t'encourager divorce. Tes divorces, c'est bien, surtout pour nos bateaux, tikalanabana. Divorce, c'est le mot yamabe, ou éco, détruit, pe moral na yo. Mais, moi, j'ai compris que je préfère encore na garder vie, na garder vie à bana, na ke na koufa. Donc, ke na koufa. Ma violence yaboye, enceinte, kobe taboye. Non. Tu préférais peigner la zalan vie. Ba finga ba loba nyonso ba koki oloba mais tozala na peniel te atika bana na ye parce que le longa na za bana wana ba benga nga koko na opono soin na bangonde mama na bango ozwa te ça non alors to préférer ki peniel azala en vie que peniel azala te donc là to fumo le sous téléphone to fumo le téléphone to meka ko yamba bande ko na biso please tango bengi zala zala mukuse pardon de ba ba prière mukuse zala mukuse po to mo na moyen ya ko hein ya allô na zo de na mo lo ko ete oui to za en direct zo ben na nga po na camp privé to lingo participer na émission na lingo participer na émission voilà to zo ka yo mama ah mo lo po na biso merci Peniel Nangaï, je manque même des mots yaya. Mais le cocan a une aloba. Osamouana moutosamouana yamate, je m'en fous de Mike Kalambay. Ma photo est publiée. Y'a ça pour l'Amérique. Soka États-Unis, portez plainte. Pour un autre rayonnant. Et maintenant, tata wana ma tique, viva ndouba, si ça va sur le vrai discours, la commande la photo wana. Jean Kalambay, ça va mériter, ça va faire la moko, y a tant la moko, ça va plaisir pour lui mettre ma retinia. Mais ma Kalambay! Maman a mis soit Siliki Makasi. Maman Siliki Makasi, alors. Maman, la biso le quoi si liquide, aozong et la biso, je crois bien. Merci, maman. Peniel Ayoki. Ok, tous, ouais, sous appel. Zambé. Allô? Allô? Yes. Yes, c'est possible de passer votre direction sur mission, n'est-ce pas? Oui, papa. On vous appelle comment? Ouais. On m'appelle Domi, j'appelle de Lexington, Kentucky. D'abonner, intervention à l'arrière, ça m'a beaucoup connu ça. Sœur Peniel, je crois qu'à la pasteur, Bible et Sénico, pour lire, mais Seigneur, je suis qui. Souvent, baladier, et ça arrive pour le meilleur et pour le pire. La côté de ma été, après Saladier, ça m'a bien, complètement, c'est ça m'a bien, même pas, ils ont réprimandé la loi. Mais je crois que, la Kimbo, dans le moment de la ça serait mieux. Bon, mais peut-être ma cambo, voilà, parce que les quoi exposé payer. Il m'a repéré payer exposé. Ça serait mieux que tu gagnes sur un organza, mais on va avoir un zaka juste juge. Il y a des quatre ma cambo là-bas, il y a des assas. De sa part, à quand elle a candidaté, pour soi, quand il est candidat, nous avons vraiment rien qui m'a demandé. Alim Sagnon, c'est un bébé au bal de l'assas. Je crois qu'à part qu'au bête, voilà, ils ont commencé à passer des bons moments. Exactement. Voilà, donc à quand il s'amuse, un bon moment, là, tu connais son bon organza, mais. Merci beaucoup, papa, c'est très gentil. Merci beaucoup. Voilà, tu as compris. Bonne année, papa. Voilà, j'ai compris. Voilà. Allô? Allô? Oui? Oui, je vous appelle à partir de la France. En fait, moi, j'allais juste demander, Peniel, elle n'a pas parlé à propos de ses blessures et...
Non, elle a parlé. Il y a moins l'un des violences conjugales. Je ne peux pas encore expliquer. Ah, comment et à qui? Pourquoi ma bête est taquillée? Ma bête est taquillée. Ok. En fait, ma bête est taquillée. Elle a expliqué, c'est en fait. Il y a ma photo et à qui? D'accord. Donc, ici, c'est déjà 4 appels. Bon, quand elle est bisous, donc, comme elle a dit, c'est comme ça à expliquer. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, il faut expliquer comment ma bête est taquillée. Allô? 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 Oui? Is this mon logo? Et ça mon logo y a y a toqué l'inga la français. Is it this ya ou est-ce sous ma bête? Is it this ya ils ont les gars sous tes mité mais ça vous fait dans la kimette. Dimne volume y a TV na yo maman pour tout le temps bien. Voilà elle est partie. Donc allô allô. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Dis-moi, voli, mi a écran, na yo, maman, pour toi, kao, bien, merci. Oui, bonjour. Moi, je voulais vous dire, c'est que même moi, si c'était parti, j'avais jugé trop vite la situation quand c'était sur Instagram. Mm-hmm. Je voulais juste demander d'avoir pardon à notre soeur Seigneur pour tous les mouvements que les gens ont dit sur Instagram, sur les réseaux sociaux, tout ça. Mm-hmm. Et donc, moi, l'histoire, j'ai écouté depuis qu'a commencé le live, ça fait vraiment mal au cœur. Mm-hmm. Moi-même, en tant que jeune mariée, je suis comme en larmes. Mm-hmm. Et courage à elle. Merci beaucoup. De pardonner à chacun d'entre nous pour l'avoir traité d'une façon, des choses que nous, on ne connaissait pas, on ne voyait pas. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, maman. C'est très gentil. Merci. Allô? Bon, dis-moi. Oui, allô, papa. Dis-moi, volume, il y a l'écran. Non, pour toi, au bien. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, papa. Ok, j'ai du mieux le volume de la télé. Okay. Moi, question à Natuna. Bonsoir, Péniel. J'appelle Fabrice. J'appelle depuis l'Angleterre, à Manchester. Ma question à Natuna. J'ai suivi votre émission. Bon, tout le monde, par rapport à Tissi, elle a parlé sur Makambouya, violence conjugale, oui. Mais par rapport à Tissi, parce que ma acte, M. Stouébi, elle a dit par rapport à la loge, à la magie. Donc, est-ce qu'il y a là qui moi, si y a frère Mike Karambay, est-ce qu'il y a un côté là qui dans ma camoué, il y a ici. Elle a parlé car sur les balles naïe, sur violence naïe, mais sur spiritualité à mon bal naïe. Je pense que Victor a été peuple de Dieu. Deuxième préoccupation dans la vie. Donc, il y a ma camoué, écoute, là qui moi, si y a frère Matou Samuel, ma soeur Péniel, où il y a que Ténèbres à l'ingarate va dénoncer. Sont démontés viables, il y aura des répercussions. À garder fournir les coyotiers, au cas où les répercussions vont à la cause à la sauver. La paix sur mon côté, par le nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Ça, il faut que tu. Ouais, que je réponde. Oui, comme je dis au début de la vidéo, je dis que je parlerai de choses que je maîtrise, voilà. Et je dirai que la vérité. Exactement. Na oezo concerné qui si, na oezo concerné baloge, si Mac est dans tout ça, là, je vous dis, avec un cœur sincère, nous n'en avons pas en beauté. Mec ne m'a jamais proposé au nom de Simbabwe, tout ça la boue, tout ça la boue. Si Yemoko, je ne sais pas. Mais, je ne l'ai jamais vu avec, comment on appelle, Bagri-Gri, mais aussi, je n'étais pas tout le temps avec lui. Il y avait beaucoup de choses qu'il m'est caché. Alors, na entendement nanga ma connaissance nanga ma kambwa kisi ma kambuya bongo nga na ebi yangoti. Mm-hmm. Pour répondre à la deuxième question, c'est aussi pour donner une petite réponse aussi na papa Liboso ou à Bengaki à partir de l'Europe pour dire que ezana ma kambumbi susu ba bombaka. Le papa qui vient d'appeler a un peu contredit et le koana lui dit qu'il y a des choses qu'il faut dénoncer. Ouais. En tant que moi na Nzambe, moi je sais à qui j'appartiens. Naebi que Mankamunazoloba. Je ne le dis pas avec un cœur plein d'amertume. Je partage mon histoire. Je partage l'Ikamboyo pour essayer un peu
d'ouvrir une conversation dans notre communauté pour la Makabo, parce que ce sont des choses que nous laissons aller trop dans notre communauté. Il y a d'autres liens qui se brisent par les dénoncements. Ouais. Il y a d'autres choses qui s'arrêtent quand quelqu'un avec le courage se lève pour dire non. Exactement. Et moi, en tant que moi Nzambe, nazo tambola na Nzambe, mes enfants sont couverts. Mes enfants sont protégés. Moi-même, Peigné, je suis protégée. Et naïvi que ma kamunazo sale, naïvi que ma kamunazo le baïda d'abord de 1, le koutate. Pour ceux qui ont le koutate, je m'expose spirituellement. J'expose mes enfants spirituellement. Et je ne suis pas aussi bête de raconter des faussetés ou de raconter des mensonges et ouvrir cette porte-là au diable et que mes enfants soient là. Exposé à l'attaque ou bien que ma personne soit exposée à l'attaque. Ouais. J'ai pris les garde-fous nécessaires dans ma propre vie spirituelle. Dans mon tosolo là qui vidéo avant tout c'est décidé que oui, je suis prête, je vais faire cette vidéo la Saint-Béli. Je prie le temps dans la prière. Je prie le temps dans la prière et j'ai vraiment cherché la face de Dieu et bon tout balovara peut-être pourquoi now elle se croit qui pour parler. OK. J'ai l'expérience que j'ai na libalo, j'ai le plateforme que j'ai, j'ai donc le following que j'ai, là ma maman balananga, et là ma jeune fille balananga, d'autres qui aspirent au mariage, d'autres qui ont besoin de ce genre de conseils, peut-être pour la maman à vivre, ben on peut pas les kananangoté. Dieu ne m'a pas donné un following, il m'a pas donné du renommé pour que je mette des belles photos sur Instagram seulement, il m'a pas donné du renommé pour que je fasse seulement des vidéos sur la chaîne YouTube. J'ai un appel et je l'assume. Voilà. Merci, Makambozo, le bazar qu'on a assumé à moi. Donc, tous les continuer à nous, n'a pas peine à nous pour battre bazar. Vraiment, on a besoin de bateau, bah, s'excuser, c'est vrai, pour peiner le traitail de tout. Donc, là, tout le bon monde, tout le bon marché, bah, moté, bah, traitail, ça immature et tout et tout. Allô? Allô? Oui, papa. Merci, monsieur le président. Merci, courage pour la première. Je pense que ça qui alors on va faire du temps mais dans nos vies, les alliés, à la thérapie. Voilà. À la thérapie, parce que ça l'a l'eau parfois, c'est comme ça que nous en a, ils l'ont voyé, et après, à tout le monde, qui a permettre de faire l'eau. Et ensuite, je dis à maman, pour le battre, à côté, juste pour le battre, tout ce que c'est. C'est bien, c'est vraiment très bien réfléchi, c'est bien. Alors, le temps de l'eau pour mon corps, on a dit que nous avons réagi par rapport à la maman, on va dire, on va se faire la part. Maintenant, on a réagi par rapport à l'école, on va se protéger de ça. On est comme un modèle et on a dit que ça va pour mon nez. Après, on a dit que c'est un bon minimum, on a dit que c'est un bon minimum, on a dit que c'est un bon minimum, papa. Donc, pour ceux qui font un premier dans la forêt, c'est que nous avons dit que c'est pas une moyenne du tambour. Donc, on se fait bien, on a un nom, parce que la fin du rallye, Mac disait, pendant que tu travaillais, est-ce que tu parlais à...
ses amis, ses gens autour de toi. On sait qu'il a entouré, par exemple, les hommes de Dieu, les gens autour de lui. Est-ce que tu posais des questions, tu parlais à ces gens, et c'était quoi leur réaction? Et qu'est-ce qu'ils disaient par rapport à ça, ou si tu menais ce combat seul? Et j'aimerais juste te féliciter parce que de quitter ce mariage, parce que vraiment, c'était vraiment toxique. Et vraiment, ça, on est vraiment avec toi, et tu donnes la force aussi à beaucoup de gens qui vivent cette situation en privé, mais qui ne peuvent pas parler. En tout cas, merci. Et continue encore de parler, de faire des lives. Mais sinon, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que ton entourage disait et tout ça. Merci beaucoup. Là, il faut que tu... Ouais. Malheureusement, Mike est entouré des personnes... Je ne mâche pas, je ne veux pas mâcher le mot. Il est entouré des personnes qui ne l'aiment pas. Il est entouré des profiteurs. Il est entouré des personnes qui veulent à tout prix que Frère Mike a l'ingabango ou tout ça pour ce qui Frère Mike a joué. Moi, il est là, on peut pas se miki miki. Mike n'a aucun conseiller à ses côtés. La plupart de ces gens, ses secrétaires, ses samba oyo, ils n'envoient pas l'argent au nom de Mike. Ils n'envoyaient jamais l'argent à Mike parce que je voyais tous les transferts dans le bureau, monsieur sur le téléphone. Ils envoyaient au nom y a secrétaire Nabanini. Il est entouré des gens hein, qui sont des profiteurs et ceux qui des gens attends Mike a salué ma belle Nini. Parce que ça sera Nabotouchon, quand je vais expliquer l'affaire de la violence conjugale, il est entouré des gens qui do not hold him accountable. Je ne sais pas comment dire ça en français. Il est entouré des gens, des yes men. Donc, au mieux, son mec a conservé ses yes men. Yes, amen. Oui, amen. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Profitez pour expliquer Bissona, non? Et là, on a dit salaki que Mike a beto ti na point wana. Et là, on a dit salaki pour Mike a beto comme ça, ti na point, comme ça, tout quand tu as un téléphone et comme une moto. Ouais. Donc, en attendant, on a dit en haut, la charge pour et comme une moto. J'aimerais aussi dire quelque chose. Je ne veux pas que vidéo et l'humanité. Nga Peniel, je suis parfaite, Naliba Lango, Nazalara, ce qui n'est mais je pense que si une femme parfaite dans son mariage a 10, je pouvais être même 7,5. Et je n'aurais pas donné l'impression qu'il y a Nazalara, Nazamoutou, il y a des fois au cours où on appelle Ikambou. Et tout, tu manques à quelqu'un du respect, mais jamais, je n'ai jamais fait quelque chose qui a mérité les choses que moi j'ai subies. J'aimerais juste couvrir la parenthèse. Et là, il s'agit que Mike a bêté, c'est tellement banal et bête, mais, non, bête quand même, sur Instagram, bon, moi, il y avait une vidéo de Mike et Shaddai, Babandai Kobi na la prestation Moko Boye à l'église. Comme, c'était comme une fête, c'était pas vraiment une prestation et une prestation. Mike a invité Shaddai, il a donné à Shaddai le micro Moko qui n'était pas branché, à Yembana Papa Naye et tout. Alors, Shaddai est un bon danseur qu'il est, un mignon garçon qu'il est. Je t'envoie des gros bisous, mon aîné, maman t'aime. Il était là sur scène à Zoye Mana Papa Naye. Mais il faudrait qu'il parle des danses Moro Boyo et Bimakineti, danse à l'okolo de Fali. Alors, moi, quand j'ai mis cette vidéo-là sur mon Instagram, ma kalifinama et Kenaye Koutoupla Sonati, moi je me suis dit que, ah, évidemment, la Moro qui a de la joie d'être sur scène avec son papa et tout ça, tout ça. Donc, Naye Koutoupla Sonati, Naye Koutoupla Sonati, ah, bah, Bazo Louba et tout, on va peut-être dans la gana, banaliser dans la bête dans mon cas. Mais c'était quelque chose qui avait énervé Mike. Mais comme, il n'avait pas dit d'enlever la vidéo, c'est quelqu'un en caca, mais c'est quelqu'un qui fait pardon. Je lui ai expliqué que ce n'était pas avec cette intention-là que j'ai mis cette vidéo, mais comme c'est comme ça que ça a été aperçu, l'imbi sangai. Mais malgré la c'est quelqu'un pardon, Atikala na kanda, il était très, comment dirais-je, nerveux, tout ce que je faisais le frustrait. Et toi alors, donc comment qu'il faut éviter mon mouké, parce que c'est quelqu'un de violent, à Bétaka. Et comme Nazaki n'avait mis, je me suis dit, et puis c'était la première fois dans la grossesse qu'il m'avait tapé. Nazemi à Zion, moi j'ai 5 mois de grossesse, c'était la première fois Nazemi ou à Bétaka. Mais à Bétaka, mais Nazemi, c'était la toute première fois.
et la toute dernière fois. Alors, il y avait une nuit, pour la Baro Bavan dans la Kishasa, en 2018, il y avait un samedi à Inga. Il y avait un samedi à Inga. Alors, plus tout bataille qu'on va dans un quartier moro qui s'appelle le quartier Beauvent. Na Beauvent, on a tout à l'heure un courant moro très stable, maï très stable. Bah, on va dans la Beauvent, bah, et puis on restait là-bas quand on était d'abord à UPEN. CongoDialogue.com